L'oiseau bleu, je suis l'oiseau. Je vole et je m'envole dans l'air du drapeau. Ding ding dong, Eh bien Luigi, c'est formidable parce que tu... Justement, c'est formidable parce que tu viens de m'appeler. Hein, les enfants? Non. Mais si, tu viens de m'appeler parce que tu es en train d'utiliser ton imaginaire et tu es en train de prendre une grande décision dans ta vie, non? Hein? Alors pourquoi tu dis non? Parce que je me suis débrouillé tout seul, j'ai pris ma grande décision. Alors qu'est-ce que c'est? J'ai choisi le métier que je voulais faire. Oui, alors qu'est-ce que je voudrais bien être comédien. Voilà. De, comme activité? Tu veux faire ça le dimanche ou les jours chômés? Comme les fléchettes? Comme... imiter des chats? Ou... Écoutez-moi les enfants, je vais vous dire une chose. C'est vrai que vous avez tous envie d'être comédien et de jouer dans des dessins animés comme Albatros ou je ne sais pas. Mais je vais vous dire une chose assez importante. Eh bien, lorsque la France, l'Europe ou le monde vous a donné à manger et que vous avez grandi jusqu'à cet âge-là, eh bien évidemment, vous a donné de la paraffine ou même de l'uranium. Eh bien, tout ça a fait que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. C'est bien, mais maintenant il va falloir rendre tout ça. Et pour rendre tout ça, la seule solution, bien sûr, c'est le monde de l'entreprise. Bâtir, construire un monde meilleur. Mettre sa main dans le sable et le mélanger au ciment. Et construire avec sa truelle des tours de plus en plus hautes, des tours de la civilisation occidentale, d'autres civilisations aussi. L'entreprise, c'est ça. Sans compter tous les avantages qu'on peut avoir avec une entreprise, comme les RTT, les tickets restaurants, les chèques vacances et les comités d'entreprise avec lesquels on peut partir dans les camps naturistes en Lozère ou même au Bangladesh, au Cap d'Agde. Eh bien, tout ça, l'entreprise peut vous le donner. Sans compter une chose assez importante, qui est la fierté de sentir qu'on est enfin utile à une société, qu'on n'est pas là pour rien. Hein? Parce que l'année prochaine, eh bien, nous serons peut-être 13 milliards sur la planète. Eh bien, il va falloir en construire des assiettes en carton. Il va falloir en faire, par exemple, des poules au pot surgelées, des choses comme ça. Moi, l'année prochaine, où êtes-vous, qui... L'année prochaine, je me présenterai aux élections européennes et je libérerai toutes les charges qui pèsent sur les petites et moyennes entreprises. Et grâce à moi, je ferai en sorte de sortir le franc du Dien Bien Phu monétaire dans lequel on l'a plongé. Et grâce à ça, peut-être, nous libérerons l'économie et enfin, nous pourrons construire une société meilleure. Mais toi, Luigi, tu veux faire les... Oh là, ils ont dieu. Oh là. Écoute, tu me dégoûtes. Venez les filles. Ne restons pas là, on remballe. Venez, on remballe tout ça. Malgré les avis plutôt mitigés de mon entourage, je me suis dit qu'il fallait se lancer quand même, qu'à un moment, il faut se décider. En plus, je crois, comme on dit en psychanalyse, qu'il est important dans la vie, un jour, de tuer son oiseau bleu. Il faut savoir grandir, il faut décider par soi-même. Et en tuant son oiseau bleu, on peut en plus nourrir une famille souvent de 4 à 6 personnes avec cuisson au four à 80 thermostat 6. Enfin, en tout cas, ça y est, c'était parti pour moi.